À 12 ans, Guilia Sarkozy, fille de Nicolas Sarkozy et de Carla Bruni, est fière d'annoncer une grande nouvelle. Sur son compte Instagram, elle a annoncé devenir ambassadrice d'une marque chère à son cœur. Il y a 12 ans naissait Giulia, fruit de l'union entre la chanteuse Carla Bruni et le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy. De l'eau a coulé sous les ponts. Depuis cette venue au monde, deux présidents se sont succédés en trois mandats, et l'ex-chef de l'État, depuis l'arrêt de ses fonctions, s'est mis au vers et à la littérature. Il sort régulièrement des livres, dont Le Temps des combats, dernier en date. Sa fille a aussi bien grandi. À 12 ans, la préadolescente, qui se fait appeler Valentine du Delta sur Instagram, a annoncé devenir ambassadrice d'une grande marque. Une collaboration, avec une marque plus que fantastique, dont elle est visiblement très fière. Honnêtement, ça a toujours été mon rêve. À son jeune âge, Giulia Sarkozy n'a qu'une passion, le cheval, et encore le cheval. Quoi de mieux, dans ce contexte, que de devenir l'égérie d'une marque qui prône l'art équestre? Sur son compte Instagram, la jeune cavalière a dit sa fierté. Honnêtement, ça a toujours été mon rêve d'être ambassadrice d'une marque, mais je ne pensais pas qu'il se réaliserait. C'est pourtant chose faite. Depuis peu, celle qui s'adonne à de nombreux sauts d'obstacles a livré des remerciements presque présidentiels. Elle les adresse notamment à la photographe de la marque, sans qui rien ne serait possible. Elle est si drôle, si gentille, si bienveillante, a-t-elle décrit. Bienvenue dans notre grande famille, a réagi la marque en commentaire. Carla Bruni fière de sa fille, bravo. Carla Bruni, la maman de Guilia, n'a pas encore réagi à ce poste. Sous d'autres publications, on pouvait la lire féliciter sa fille, écrivant par exemple, bravo, avec le hashtag, #proudmama, sous une des photos où sa fille sortait victorieuse d'une compétition équestre. Il faut dire qu'à son âge peu avancé, la bambine, qui fêtera ses 13 ans le 13 octobre prochain, brille déjà par de nombreux talents. En plus de l'équitation, elle a une autre activité chérie, le chant. Une discipline inspirée de sa maman. En 2021, l'ex-première dame avait posté une vidéo de sa fille en train d'interpréter a cappella le titre Runaway, de la chanteuse Aurora. Très hâte de continuer cette aventure auprès d'eux. C'est en tout cas réjoui la petite sur son compte. En commentaire, quoiqu'encore peu nombreux, les fans l'encouragent déjà.